Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Rise Sunbreak. J'ai pas regardé quel épisode on était. C'est pas grave. Aujourd'hui, on se rapproche dangereusement de la fin du jeu. On s'était lâché en arrivant sur les derniers. Non, pas ça. On est arrivé sur le rang 5 étoiles. Donc, enfin, ouais, j'ai tout fait là, mais on va faire un Rajang aujourd'hui. J'ai gardé le Rajang Follower Quest pour qu'on puisse la faire. Et je suis prêt. Je vais tourner les quelques prochains épisodes. Je vais les tourner à la suite là. Même si, même si le rythme de sortie va être le même. Juste pour que je me gagne du temps personnellement. Punaise, ça commence bien. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Juste pour gagner du temps personnellement, parce qu'en fait, il y a une. Comment je dis? Il y a un certain monstre que je veux buter pour débloquer quelque chose. C'est pour débloquer des talismans. Donc, je vais sûrement tourner les trois prochains épisodes à la suite. Si je dis pas de la merde, le boss final, on va l'affronter dans. Pas cet épisode, l'épisode prochain. Et l'épisode encore d'après, ce sera le dernier que je tournerai. Allez, le chien. Donc voilà, les trois prochains, même quatre prochains épisodes, je vais les tourner à la suite. Au moins, vous êtes prévenus. Allez, monte. Donc aujourd'hui, un Rajang de Master Rank. Pas grand-chose à dire sur celui-ci. Je sais même pas c'est quoi la différence entre celui-ci et celui de Oran. Aussi, ça s'entend m'en voir, mais je viens de me réveiller. Je viens de taper une sieste. J'ai tourné la putain de tier list. La putain de tier list. Putain, il est énorme celui-ci. C'est ça que je voulais faire. Je crois que je me loupe sur mes inputs. Voir vous. Yeah, ça va au niveau des dégâts. J'ai bien fait attention à améliorer mon armure cette fois. Oh, il a attrapé au toucher. Il s'est fait one shot. Ouais, il va rester au sol 2 minutes. Hein. J'ai pas le temps de le sauver. Bon, tant qu'on y est, je vais balancer ça. Il n'y a aucune raison que je le garde sur moi. J'adore faire ça. Allô, le Lucky Life? Apparemment, il y a une Lucky Life autour de moi, je la vois pas. C'est bon, on a fini par le sortir en lui tapant la queue. J'adore comment il repasse énervé direct. Ah,
J'adore le 5 et le 13 sur le bras. Ouf. Non mais hé, ça va aller. Il s'enfuit. Liquidote sur la map. Vas-y, Nogre, c'est pas fou. Gore, ça devrait marcher. Ah, dommage que le retour. Ok. Tac. Y'a pas un truc doré là? Ouais, voilà, juste là. D'ailleurs, je me rends compte, mais dans ces jeux, il n'y a plus les. Y a plus vraiment de. C'est des faits de tremblement. En tout cas, quand je les sens plus vraiment. Ok, non, tu contres pas ça, ça sert à rien de le contrer. Le tribox, oh putain, tort, il est où le chat? Bien joué. J'ai un gris à côté. J'ai oublié de te montrer mon build d'ailleurs, vu que je l'ai changé. Je te montrerai après la quête. Meilleur match-up en vrai, l'épée bouclier. D'habitude, je le fais à la Switch Axe. Mais ça va, l'épée bouclier, c'est pas trop la merde non plus. À Gunnance, par contre, ça aurait été galère. Hein. Laisse-moi jouer. T'es pas fatigué? Non, pas ici. Oh, c'est mis dégâts gratuits, on va pas s'en passer. T'as pas pourquoi je me rajoute à aller manger. Genre pour de vrai, je crois que c'est la première fois. Aiguisé maintenant. Loupé. J'ai pas le bon angle. Chier. C'est parti choper qui est parti choper Zinogre. Ce chien vient de se barrer. Oh wow, je m'attendais pas à ce qu'il arrive de ce côté.
Faut que je repasse ma petite roue là. Parce que j'ai pas de méga potion sur cette roue, c'est bien chiant. Ah merde, je me suis fait grab. Il se fait flinch. Ah, bro, vise le putain d'inogre, non? Bro, il a fait 3 tours sur lui-même. Encore. Chien, le chien, il est mon chien. Alors juste avant. Allez guise, guise. J'ai tapé mon main sur la table. Oh. Oh, si je dois m'énerver ou pas quand je... Attends. J'ai jamais vu faire ce move. C'était un move de Blongonga, ça. Ok, la queue qui est partie. L'espèce de charge où il fait une espèce de rouler boulet là. Ta merde. Ouais, je pourrais le capturer ou je pourrais pas parce qu'il est mort. Mon chat, il avait mis un piège et tout en plus. 13 minutes à jungle, ça va, c'est propre. On aurait pu mieux faire. Du coup, je vais en profiter, je vais vous montrer, vu qu'on a le temps, mon équipement. Malzeno, Alloy, c'est l'arme, les trucs de fer. Malzeno, Janat, ça c'est du Rajang. Donc vu que je l'ai tué en avant, je ne me suis pas gêné, j'ai fait une... j'ai fait une pièce d'armure. Parce que ça passait bien sur le build. Le build, je vais pas faire genre que je le... C'est moi qui l'ai créé, je l'ai récupéré sur internet. Sinon, j'aurais pas mis dev boost 7, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Le build, il marche, donc je vais pas me plaindre. Désolé, Tsushi, j'ai pas le temps. Je reste au sol aujourd'hui. Je dois tourner je sais pas combien d'épisodes. Je sais pas combien, mais je sais combien c'est 4. Donc, quelqu'un qui veut me parler. Loterie. Ce gars-là, il a des trucs. Et... y a des putains de moustiques dans ma chambre encore, j'en ai marre, j'en ai tué 3 hier. On va aller à la gueule lance pour le prochain monstre. Au revoir l'armure de Rajang. Donc c'est cette armure. C'est l'armure qu'ils avaient en... comment ça s'appelle? C'est l'armure de Rajang, de Furious Rajang de Monster Hunter World, c'est celle-ci. Choqué qu'il l'ait mis ici pour Rajang normal, parce que l'armure de base de Rajang, elle est... Je l'aime vraiment pas. Elle est pas folle du tout. Allons la voir, elle est juste là. Ouais, celle-ci, elle est un peu décevante.
Donc le fait qu'ils ont donné celle-là, je suis bien content. Et il y a encore une version différente plus tard, vu que Furious Rajang est dans le jeu. Niveau des skills, c'est comme celle de Rajang, elle est versatile, mais rien de trop... rien de trop abusé. C'est parti, on a débloqué la 4 urgente du coup, enfin j'ai débloqué de mon côté. Shagaru Magala. Pourquoi on affronte Shagaru Magala? Bah juste parce qu'il est là. Oh, cette cinématique elle est excellente. Bro, il a dit j'ai pas le temps pour vos conneries, dégagez de là. Il le chope par le con et il le dunk sur le le Barrios. Et après il fait tout péter parce qu'il a pas le temps. Il est magnifique ce screen. Donc Shagaru Magala, on va se préparer un peu pour lui. Parce que c'est pas, ça rigole pas. Tac. J'oublie à chaque fois cette musique, elle est... Wow. J'ai dit wow, je sais pas combien de fois sur les deux derniers jours. Spinas qui a décidé d'aggro quelque chose. J'ai remarqué que Spinas, c'est pas le monstre... Le monstre visé de la quête, il s'endort pas en fait. En tout cas, il commence pas la quête endormi. Genre celui-là, il est juste en train de passer un petit moment là. Enfin, j'imagine qu'il passe pas leur vie à dormir non plus, mais quand même. Le gimmick de l'espinal, c'est que quand tu commences la quête, le truc il est en train de dormir. Allez, viens le chien, j'ai pas resté à attendre. Allez, j'ai fait tout le chemin à pied. Merci. Non, on passe sur pied par le cri du Syrex. On va faire un petit détour. Et c'est bon. C'est un peu bizarre que... Enfin, un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre qu'il ait décidé de le foutre dans une... Dans une map normale, Shagaru Magala, avant, tu l'affrontais uniquement en arène. En tout cas, des arènes spéciales. Ils ont décidé de le mettre dans le map normal. J'adore, il a toujours cette marche excellente. Ah merde, ouais, attends, je joue gunman, je croyais que je jouais... Pendant un moment, je croyais que j'étais en train de jouer épée bouclier. Ok, il vise. Je reste au sol. Dans le vide. Il faut que je reprenne la main là. J'ai pas la main du tout. Et j'ai oublié de restock aussi. Ça à la limite c'est pas très grave vu que je... Ah, c'est quand même un peu grave, j'aurais bien voulu avoir mes bombes sur moi. Ça commence.
Merde, je rebondis. C'est pas grave, normalement sur cette gueule-là, j'ai... J'ai le truc pour garder mon... Pourquoi qu'on ça baisse mon tranchant pendant une minute. Et j'ai réussi à le faire sortir. On va viser ses bras pour les casser. Ah, et cette musique. Mon dieu, cette musique. J'adore cette musique. Il s'enfuit. Dommage, c'était mon préféré de la musique. C'est qui tombe? Ah non, c'est T-Rex, mais il est en train de se barrer. Ok, rien de Chagaron. Il est dans la zone... un peu plus bas. On va prendre ça. Je crois de toute façon il vient pas se battre ici, donc je vais aussi récupérer ça. Ouais, on va lui monter dessus. On va lui faire un petit coucou à l'espinasse. Vu que Chagaron Magala est pas mal faible au poison. En fait, Chagaron Magala, il a une espèce de... Il est bizarre. Le poison, il marche généralement. Tous les monstres que tu peux empoisonner, le poison, il dure une minute. Pendant une minute, toutes les secondes, ils prennent un certain nombre de dégâts. Je sais pas si c'est égal à quoi, je crois que c'est 30 dégâts. C'est pas la même chose avec... avec Chagaron Magala, je sais pas pourquoi il est... Son poison, il dure que... Il dure que 30 secondes, mais il prend les dégâts deux fois plus vite. Si tu arrives à le toucher avec la deuxième charge, ton coup de corne à la fin il fait des dégâts aussi. Ouais, voilà, j'ai réussi là. Bon, j'ai pas réussi à pas lancer une troisième charge. Il y a une super armure, comment il fait ça? Paralysé. Ça va pas paralyser. C'est vachement tôt, mais c'est quand même passé. Oh merde. Je fais grave. Et j'ai plus de Wirebug. Donc je vais me faire combo. J'ai récupéré ce qu'il y a en bas là. Porte de Wirebug dans le vide. Un dodo. Dommage, j'ai pas mes bombes. C'est quoi ce bruit? Ah, il y avait un Wirebug là-bas. Je crois que c'est le bruit de moi qui est en train de se faire bouffer par le virus. Ok, on lui a cassé la deuxième corne. Je sais pas ce que j'ai fait.
Je me suis complètement loupé dans mes inputs. S'enfuit, il va dans la zone d'à côté. On peut encore l'empoisonner là-bas. Il y a l'arbre où on peut. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Prenons ça. Ok, ça c'est la vraie. Il s'énerve pour de bon là. Il y a des piliers qui vont péter partout là dans la zone. De temps en temps. Ouais, maintenant ses coups d'aile aussi, il balance du. Il balance des piliers. Et toutes ces attaques, elles sont accompagnées d'un follow-up. Boum, des piliers sur le côté. Ça, je crois que c'est un grab, mais je suis pas sûr. Et là, le chien, j'ai besoin d'aiguiser. Boum, et ça envoie des piliers encore. Il y a un move que j'aimerais bien qu'il fasse. J'aimerais bien qu'il fasse. Bah, le voilà. Il a un putain de laser. Il a un laser différent, je crois qu'il peut le tirer au sol aussi, mais il le fait pas souvent celui-ci. Okay. Ce coup a fait pas mal de dégâts. Le reload. J'ai récupéré un wirebug. Qu'est-ce qui m'a. Putain, ça pète aussi vite, je pensais que ça prenait un peu plus de temps à éclater. Ok, il s'est calmé, le ciel il est repassé, j'aurais mieux voulu le faire tomber plutôt qu'il se calme. Parfait, parfait, allez, le chat le rate pas. Ah, et le flash aussi. Il le refait direct. Un peu trop loin, je suis trop loin, fais chier. Ok, ça a touché, mais c'était un coup de chance. C'est un peu chaud ça, potion secrète. Un peu limite, un peu limite. J'essaie d'aiguiser, laisse-moi aiguiser. Un peu à la limite là, hop. D'ailleurs, bien sûr, il sidestep, il passe littéralement derrière moi. Oh, j'adore quand ça touche ça. En plus, j'ai oublié de récupérer les items. Ouais, j'ai complètement oublié. Vous savez ce qu'on va faire? Vu qu'il s'est barré, on va. Je vais aller restock vite fait. J'ai complètement oublié. Hop, on va aussi récupérer ce qu'il y a en haut là.
Ça peut être utile. Enfin, même s'il est bientôt mort. C'est un skiptote que j'ai pas utilisé. On va le bomber. Ouais, il s'est endormi, donc on va le bomber. Tac, ici ça devrait être bon. Gus qui est pété. Je savais même pas que ça pétait ce truc. On va utiliser le truc que j'ai récupéré. Tac. Et il est mort, parfait. Combien de temps? Ouais, il nous a pris un peu plus de temps, lui. Plus d'un quart d'heure. Purifieur, ok. Donc Shagaro Magala, franchement, il a gardé son prestige dans il a gardé un bon prestige dans le jeu comme boss final de Monster Hunter 4 Ultimate. Son fight est bien foutu, ils ont donné 2-3 nouvelles attaques, ses moves les plus iconiques qui sont restés avec lui qui fait l'étoile dans le ciel et avec les piliers de Frenzy qui sortent du sol, même si c'est un peu plus galère à voir dans une map normale. Ça fait toujours aussi le même, ça fait toujours le même effet. Au niveau de la musique, à mon avis, c'est les deux, elles sont équivalentes, il n'y a pas tant de différence que ça. Cinématique. Les curieux, ils sont de partout encore. En train de refaire le plot de Metroid Fusion, les gars. On refait complètement. Le parasite, c'était pas un parasite. C'était l'autre, le parasite. Et le premier parasite, il avait été créé pour contrôler le deuxième. Maintenant, Jonas est en train de se faire bouffer, le pauvre. Dépasse-le. Ouais, donc ils sont hors de contrôle les trucs. J'ai pas eu de gemme. Fais chier, tant pis, c'est pas grave. J'ai pas montré l'armure que j'avais, mais c'est du full bazel. C'est pour ça que j'ai fait au dernier épisode et j'ai pété un câble. En gros, ils sont en train d'essayer de devenir pourquoi les ils sont en train d'essayer de devenir pourquoi les curieux ils sont en train de péter un câble. Je vais pas récupérer tout ça maintenant. Attends, je crois non, il y a une quête avec avec Ronjin que j'aimerais bien faire. Ah ouais, on a fini la quête avec Yes, voilà un cuchelin. Je me suis venu de cette quête. Non, toi, cette quête, on va pas la faire. Toi, qu'est-ce que tu veux?
Capture un Espina, super. J'adore qu'ils vous disent ça après qu'on les capture 50 fois, mais bon. Oh, il y a aussi un Théostra à faire. Capture un Bazelgeuse. Wyvern Hug, pourquoi pas. Oh, super. La quête avec les deux monstres qu'on a fait aujourd'hui. Donc, le reste, ça va être du dragon ancien. Kushala, Théostra et Caméléos. Avec quelques monstres en plus. Ok, ouais, j'ai de quoi capturer Basel, donc ça va pas te casser la tête. Supi, je suis là pour toi. Il y a un chien qui aboie à côté. Super, on va bien l'entendre en plus, là. Capturer Rachna. Donne-moi ce que tu vas me donner. Ok, pour améliorer le katana qu'il nous a donné. Donc, on a débloqué. Qu'est-ce qu'on fait? Kushala ou Théostra en premier? J'ai envie de faire Théostra. Il y a des chiens dehors, ils sont très bien pété un câble. Ils ont, décidé sur le, pour le bon jour pour faire ça. Au prochain épisode, on fera Caméléos et Kushala, plus la quête urgente. Ah, non, 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 cette fois-ci, j'oublie pas. Alors, il y a Arlo et Galeus avec moi. Donc, on est 3 sur la quête, il y a 2 gueux de lance et une grande épée. Ils sont là en train de se chambrer. Ouvre un peu ta bouche. Non, c'est toi qui ouvre trop ta bouche. Hop, on va faire un petit tour cette fois, pas le tour énorme. On va s'arrêter en zone 10. Je devrais peut-être les enlever dans les vidéos, les moments où je suis en train de courir. Dites-moi si ça vous gêne dans les commentaires, si vous voulez que je vous les enlève au montage. Ou je voulais mettre en accéléré. Comme ça, vous n'avez pas à me regarder à chaque fois, moi qui fais le petit tour de la map. Surtout pour Théostra, bon, ce qu'on a déjà fait. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques. Un moment que j'ai pas fait gueule lance Théostra, donc on va voir ça va se passer comment. Ok, il faut vraiment que j'enlève ce que je. Que je commence à switcher mon truc parce que ça sert à rien que de garder le premier sur moi. À chaque fois je me trompe. J'adore ce spam. J'allais lui monter dessus, mais ok. On va aller sur les insectes. Ok, c'est bon, Galus l'a fait. J'ai dû casser les cornes et les ailes.
enculé, cette attaque est dangereuse. Lors du moment Urbug, au moment où j'ai lancé l'attaque. Et il s'enfuit, j'allais lancer un bullet barrage dans le vide. Passe dans la donne juste à côté, je crois qu'il y a un warrior bug sur la route, le voilà. Ah non merde, il est pas parti ici, il est parti dans l'autre. Bien. Je vais lancer le mode Beetle dans la tête directement. C'est un peu bizarre que tu affrontes les trois dragons aussi après le Chagaron. Au final, je l'ai quand même lancé dans le vide. Laisse-moi me soigner. Toc, on va se mettre là. Pas le temps de Je suis pas dans le bon sens. Oh, ça se joue à rien. Mauvaise esquive. Quelque chose qu'a touché, ouais, le Wormsteak est sorti. Je pensais qu'il allait faire péter par enchaîner, mais bon, pas grave, viens là toi. Ouais, pas fou la position, mais bon, on va faire avec. Peut-être que je l'ai mis pas dans le meilleur endroit. Et il repasse en mode feu. Flasher. Non, c'est pas cette esquive-là que je voulais faire. Et il est plus flash. Donc on y est, on va taper les ailes. Ah merde. Oh, je pensais qu'il allait, il était en train de faire la supernova, j'ai eu peur. Il est où le chat? Désolé le chat, tu vas devoir attendre un peu. Ouais, je pense qu'il est, parti dans le vide celui-ci. Il a choisi le pire moment pour Finch. Ouais, il s'en va. Tant pis le chat.
Oh, attends, attends, attends. Vas-y, tire, 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 tire. S'il avait tiré, on aurait peut-être pu réussir. J'ai aiguisé, s'il te plaît. Super, j'ai encore manqué. Passe en blast. Il va casser la tour. Il est où? Ah, il est derrière moi, il est où? Il s'est levé, c'est complètement manqué l'attaque. Pour une fois dans le vide. C'est quoi à côté, Rathalos? Ah, mais il est mort. Il a même pas cassé la tour. T'as les deux vieux là qui sont contents. Et voilà. Presque Rajang, Shagarmagala et Théostra aujourd'hui. Demain, ça sera. Enfin, demain. Pour moi, c'est tout de suite. Et pour vous, ce sera pas demain non plus. Ce sera même la semaine d'après. Parce qu'il y a le DLC de Elden Ring qui sort. Donc, il faut que. Il faut que je gère mes épisodes. Et je sais pas comment je vais les gérer parce que. Déjà, je me casse la tête à sortir 4 épisodes par semaine. Il y a Stories 2 et le DLC d'Elden Ring qui sortent en même temps, donc Sun Break n'est pas une priorité. Donc il va prendre un petit recul, Sun Break. Je vais toujours lâcher au moins un épisode par semaine. En fait, ce que je pense que je vais faire, c'est faire un épisode de Sun Break, un épisode de Stories et 2 épisodes de Elden Ring DLC. Sinon, ça m'étonnerait que le DLC il me prenne plus d'un mois à finir. Donc on viendra assez vite à un rythme un peu plus classique. Oh, y a des nuages qui commencent à arriver là. Donc on va aller regarder les armures et on va s'arrêter là. Donne-moi Citadelle. Merci. Bon, personne qui veut me parler. Allons voir les armures. Donc, on a regardé celle de Rajang tout à l'heure. Classique, pas grand chose. Celle de Théostra. Je préfère ce design à celui qu'on a eu avant, mais je le trouve pas fou non plus. Il est pas transcendant. C'est toujours une armure full crit. Avec Théostra Blessing. Ça fait quoi déjà Théostra Blessing? Ouais, c'est anti-poison. Au niveau 3. Bon, il doit y avoir moyen de faire quelque chose avec ce design. Mais enfin, l'armure de Shagarmagala, j'aime beaucoup. Tu sais, le fait que tu as Shagarmagala qui soit un monstre complètement blanc. Son armure, elle est violette et dorée. Donc c'est quoi les skills Bloodlust? Ok, ça vous inflige avec le Frenzy Virus quand... Euh,
Je sais pas comment. Il vous inflige, je crois, qu'en boucle le monstre, il est... pendant que le monstre il est énervé. Et ça booste les effets du frenzy. Mais bon, le problème c'est que tu as frenzy tout le temps. Coalescence qui te donne plus de stats pendant que tu es infligé par le frenzy. Resuscitate qui te donne plus de stats quand tu es soigné de la frenzy. Crit Element qui marche bien avec Bloodlust parce que Bloodlust donne du crit. Et Crit Element, bah Crit Element. Et Razor Sharp et Spark Shot pour avoir un peu plus de tranchant. Donc une armure sympa. Et j'aime beaucoup aussi. On va pas le voir là, mais. À cause de mes trucs. Mais le torse il a des ailes. Et j'aime beaucoup ses ailes. Est-ce qu'il y a des nouvelles décos? Bon, je crois que celle-ci je l'avais déjà. Il n'y a pas de nouvelles décos. Attends, il y a peut-être des nouvelles rampages déco pour moi. Oui, Théostra Soul. Enfin, ouais, du coup, j'imagine qu'ils débloqueront plus tard. Par Blast et Explosion, ça marche pas sur Galant. Ça y est, Raging et Lion Mode. Ah, ouais. J'imagine qu'il faut que tu joues ça avec. Protecteur Polish ou Polish Protecteur. Je sais pas comment ça s'appelle ce skill déjà. Voilà, Protective Polish. Comme ça, tes doubles lames, elles se font pas absolument démonter les tranchants. Bon, j'ai assez stall comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain. Et bye bye. Rien d'autre à dire. Allez, ciao!